appel des syndicats à faire grève contre le nouveau plan d'austérité et appel du gouvernement à voter en sa faveur au Parlement. La Grèce est divisée autour d'un projet présenté comme crucial pour son avenir. Ce plan, qui est à l'origine de la grève générale de 48 heures décidée par les syndicats des secteurs privés et publics, prévoit des hausses d'impôts et des privatisations massives. Hier, le Premier ministre socialiste Georges Papandréou a exhorté les députés à soutenir le projet de budget d'austérité. Je ne vous demande pas d'écouter les pressions extérieures, je vous demande d'écouter votre âme et votre conscience patriotique intérieure, a-t-il déclaré. Je vous demande de donner de la force à la Grèce, de combattre pour notre pays, pour l'avenir, et je suis sûr que vous allez réussir, a ajouté le Premier ministre. Un député de la gauche radicale ne l'entendait pas de cette oreille. Vous ne pouvez pas terroriser vos députés en faisant référence au patriotisme, a-t-il déclaré. Nous devrions être fiers que les Grecs défendent le patriotisme par leur présence dans la rue. Les créanciers de la Grèce ont fait de l'adoption de ce plan la condition sine qua non pour le versement d'une tranche de 12 milliards d'euros et la mise en place d'un deuxième plan de soutien. Le vote aura lieu mercredi. La police, qui s'attend à de grosses manifestations à Athènes, mobilisera plus de 5 000 agents.